c'est comme par hasard. On était supposé de voir un local de répète. Là, à un moment donné, je vois les guides, je vois Simple Plan marqué sur le drum. Et je me retourne, tout le groupe qui est là, c'est comme wow! Wow! Genre, je vois Simple Plan, là, c'est comme ici. Oh, j'en reviens pas encore, là. C'est qui, Jérémy? C'est moi? T'es un fanatique de David? Là, vous vivez une aventure assez particulière, assez intense. Vous êtes un groupe, vous vivez 8 ensemble. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce que c'est de faire de la tournée, le même groupe tout le temps ensemble, d'être toujours ensemble? En tant que groupe, est-ce que ça arrive des fois que vous avez des conflits entre vous? Est-ce qu'il y a des petites chicanes? Non, ça arrive beaucoup. Je pense que pour nous autres, la clé, c'est vraiment la communication. Ouais, on a un peu une relation de frère. On s'engueule, oui, mais tu sais, comme mais on deux heures plus tard, c'est fini. Tu passes à autre chose. Je pense que c'est quand tu gardes des trucs accumulés que là, à un moment donné, des vraies tensions arrivent. Puis je pense que ça vaut juste pas la peine. Puis des fois, les petites chicanes niaiseuses, c'est tellement insignifiant par rapport à avoir un groupe qui va ensemble. Puis aussi, si la plupart des gens en groupe, là, trouve que vous n'avez pas raison puis que vous avez agi vraiment de façon bizarre, là. Ils ont sûrement raison. Penses-tu d'expérience? Oui, parce que disons que tout le monde pense que disons, on va dire Sébastien. Oui, pourquoi pas. Il exagère, là. Toi, comme j'en sais, vraiment, là, je pense que tu exagères. Moi, je suis seul que je pense que j'ai raison. Tu n'as sûrement pas raison. Puis selon vous, c'est quoi les avantages à être en groupe, contrairement, par exemple, si Pierre, tu voulais aller en carrière solo? Aucun avantage. Tout l'argent vient à moi, j'ai mon boss privé. Les gars, je pense que c'est fini. L'avantage, c'est le support. Je pense que d'avoir des amis avec qui on fait ça, c'est amusant parce que moi, c'est... Non, mais surtout, des fois, on se sent pas super bien. Des fois, on est pas dedans. Ou surtout pour les entrevues. Tu sais, nous autres, on fait beaucoup d'entrevues tout le temps. Et puis, des fois, on se dit, regarde, moi, aujourd'hui, ça me tente pas. J'ai mal à la gorge. Faut que je chante tantôt. Je vais pas en entrevue, mais ils vont y aller eux autres. Jérémy, t'as un band, toi, avec des amis de ton école. Mm-hmm. Ben, tu sais que les gars de Simple Plan sont allés à l'école ensemble. C'est de là que c'est parti. Là. Fait que peut-être que toi aussi, tu vas être. Le prochain superstar. Depuis que je suis jeune, tu sais, j'en écoute, puis j'en écoute encore du Simple Plan. Je vais avoir les choix chaque fois qu'ils viennent à Québec. Fait que c'est comme mes idoles, j'en capote encore. Là. Vous voyez leur chimie d'équipe, là, tout ensemble, le groupe, là. Ouais. Ils avaient tout du fun ensemble, ils arrêtaient pas de faire des blagues, tout ça, c'était vraiment cool. Le meilleur conseil de donner, c'est d'avoir un band avec tes bons amis, avec toi, et que tu t'entends bien. C'est important d'avoir, parce que tu as passé beaucoup de temps. Ouais, c'est le monde. C'est pas vraiment grave que c'est pas le meilleur drummer au monde, tu sais. C'est notre ami, tu sais. Ouais, il y avait du monde au début qui se disent, il faut que ce soit comme le plus cool, puis le plus meilleur, puis tu vas devenir bon ensemble. T'sais, c'est les cinq, je pense pas qu'on est comme chacun, ben, à part peut-être certaines personnes qui pensent qu'ils sont les meilleurs. Ça en prend un qui est clairement plus beau que les autres. C'est vraiment les cinq ensemble, on est meilleurs parce qu'on est les cinq ensemble. T'sais, ça fait 10 ans, 11 ans qu'on joue ensemble, puis on devient meilleurs à cause de ça. Est-ce qu'il y a des gens ici qui jouent un instrument? La batterie! Thank you.